on va préparer une cartouche pour que moi mette le projet à pour me faire impression, pour me voir le client en PDF. Ok. Pour me faire ça, là, tout travail, mon travail là, je suis sous mode modèle. À l'embarras là, je suis sous mode modèle. Je suis sorti sous modèle, je suis allé sous layout. Là, je vais sous layout, je fais un clic droit. Je clique droit ça, je choisis From Template. Je arrive dans From Template, je choisis un template ça que vous proposez. Je choisis avant-dernier, tutorial M architecture, tutorial Mac. Et puis, je fais Open. Là, je vais faire OK. On y a un nouveau layout qui crée en bas, qui est ISO A1 layout. Je clique sur lui. Là, je arrive sur lui là. Et je vais aller dans Paper, clique sur Paper. Là, je arrive sur Paper là, je ouvre le cadenas là. C'est le cadenas là, je vais en bas là. Je ouvre. Là, je vais ouvrir le cadenas. Je vais aller, je tape Z, je fais Enter. Je tape E, je fais Enter. À la minute que je tape comment ça, dessin est supposé centré sur feuille. Si ça me fait, je garde à ma fonte minimiser légèrement. Pour manger. Je vais aller dans View, par exemple, je vais aller dans Zoom, je vais zoom real time. Je fais si agrandir avec souris. Ok, là. Je quitte bon ça parce que c'est dans bon ça que je décide d'écrire et les détails que je vais mettre dans la cartouche. Depuis que je finis ranger le dessin sur la feuille, je fais mes cadenas, ça veut dire que je log dessin et je clique sur le modèle pour aller sur paper encore. Je vais arriver, je vais sur la feuille, après je vais ouvrir la feuille, zoomer, dézoomer, j'en plus. Je vais aller en bleu là, les viewport, c'est le même qui permet de voir le dessin dans tout espace dessin qui arrive ou qui zoomer le dessin. Et même si vous n'avez pas trop important pour moi, ma femelle, il n'y a pas besoin d'être très bleu. Et puis, je clique sur les yeux qui est le title bloc là que AutoCAD propose. C'est là que je vais faire 4 cartouches. Je clique sur le title bloc, je vais travailler sur le title bloc. Ça, 4 ça que vous avez proposé, je clique sur les yeux et puis je dis les. Je vais faire propre 4 PAM pour créer propre cartouche PAM. AutoCAD, je vais une limite. En prétit, limite ça ne va pas supposé dépasser. Ça veut dire 4 mois ne va pas supposé dépasser. Eh bien, je vais comme un lecteur. Je vais là. Je vais grandir jusqu'à ce que je arrive là. Quand il y a là, le temps que ça me crée, la définition de temps que vous créez, il fait un seul et même. Ça veut dire il régionne. Je clique sur lui et puis je choisis explode. Je vais éclater rectangle pour me faire chaque ligne qui là dedans vienne indépendante. De façon pour me faire offset, j'en voulais pour me créer cartouche PAM. Allez, je vais commander un offset. Je vais faire un offset à 100. Parce que zone, ça, c'est une zone qui est millimétrée. L'on fait offset, il va avoir une grande dimension. Papier ça, papier qui est exprimé en millimètres. Ça me fait. Je vais taper 100. De là à là, je vais 100 trop petit. Je prends le deuxième. Je dis 200 à faire un bien. Je vais faire 100 dans le temps. Je prends un offset encore, je fais un offset 30 cognac, je fais le parallèle. Je fais un premier, je fais un deuxième, 3, 4, 5 en l'air. Maintenant, je fais pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends trim. Je trime toute ligne qui passe sous dessin. Ok. Là, je crée une cartouche PAM. Qui ça vient pour faire là? C'est l'étrage écrit. Je vais aller dans à ça là, multi-line text. Je clique sur lui. Je drague zone choisie. Ça, c'est zone de texte PAM. Je drague. Et puis, je me dis, je vais l'écrire. Je me dis, je vais écrire plan de distribution. Plan. Je vais écrire plan. De distribution. Écrit plan de distribution. Conseil que ma banon, l'air que nous finis écrit, toujours sélectionner ça nous écrit. N'après que dimension toujours minime, 0.2.
retirer dans 0.2 ba une dimension qui plus grand même pas dans 10 c'est dans limite ça 7 8 9 10 11 12 ba une grande dimension et puis fait OK ouais on dit ça ça va aller ici 0.2 t ou t'as chercher le trait ça là on va t'appeler là on finit écrit plan de distribution on va faire copie on copie plan de distribution mettre là même plan de distribution que me copie mettre là là on finit on va faire double clic sur lui modifier lui malgré qu'on l'autre bagaille par exemple m'écrit d.a.o o et puis me tape 2 points et puis me dit c'est oui d.a.o et puis me dit 2 points ingénieur de Val. Par exemple, just mettre oh, à tout choix ben là, d'abord ingénieur de Val. Ok, et puis me faire ok. Là, tout ce que vous écrit, si vous voulez, vous retourner dans multiline ou draguer zone de texte ou écrit ou bien vous copier même. Ça ou bien t'en fait ou juste modifier ou juste modifier. On y a là, on finit préparer cartouche point, ça me va le faire. On va le save en PDF. Va aller dans grand lettre A ça qui en l'air là, menu, qui c'est logo AutoCAD là même. On clique sur lui. Et il va prendre un élément qui est export. On va aller sur export et puis on choisit PDF, on va exporter en PDF. On choisit qui côté on veut déposer, par exemple, on choisit desktop. Et puis, je me dis, je vais prendre le séminaire. Par exemple, je fais un nom comme ça, séminaire. Et je fais save. Là, pour que j'aime, je save en PDF. On minimise AutoCAD là. Ouais, là, je vais sur l'écran machine, mon fichier qui est séminaire. Je vais le cliquer sur lui-même. Son fichier PDF. Je vais mettre sur le téléphone, je vais le faire maintenant. Je vais mettre sur la clé, je vais l'imprimer. Je vais tout ça, je vais le faire. Eh bien, c'était dans limite ça, nous te souhaitons arriver cours AutoCAD 2DA. Merci parce que vous te faites confiance pour nous capables d'instruire.